Sébastien Loeb, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes au circuit Paul-Ricard, cette finale GTFFSA pour le plaisir. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que ça signifie pour vous? Ça signifie que ça fait déjà maintenant plusieurs années que je n'ai pas fait une course en circuit. Depuis le WTCC, je n'ai pas roulé en circuit. Donc voilà, on vient pour s'amuser, pour prendre du plaisir. Le GT France, c'est une discipline que j'ai toujours bien aimée. Donc voilà, je viens là pour m'amuser. On n'a pas de prétention, on est juste là pour rouler. Et puis voilà. Alors vous roulez avec une Porsche Cayman et avec une coéquipière. Alors ça change la donnée? C'est vous qui la conseillez un petit peu? Ouais, c'est clair que la Porsche Cayman a l'air de plutôt bien marcher. Après, j'ai pas de référence par rapport aux autres, mais bon, c'est pas bien grave, c'est une voiture sympa à conduire. Ma coéquipière n'a pas beaucoup d'expérience du tout. Le but est d'essayer de l'aider à prendre ses marques le plus rapidement possible pour essayer de faire ça correctement. Comme dit, voilà, on a aucune prétention de résultat, on vient juste pour s'amuser. Sébastien, quand on a été pilote professionnel pendant des années, comme vous, sur tous les types de terrain, on peut encore trouver du plaisir à conduire? Sinon, je ne serais pas là. En même temps, si je suis là, c'est que j'aime ça, c'est que j'aime le pilotage, j'aime changer un peu de discipline. Comme quand je faisais du rallye, j'ai voulu arrêter de faire du circuit, du rallye cross, le Dakar. Maintenant que je suis revenu en rallye, à temps partiel, mais quand même, de venir faire une petite pige en circuit, c'est toujours sympa. Au Castellet, il fait beau, le circuit est beau, donc on est là pour passer un bon week-end. Sébastien, début décembre, rallye circuit, ici au circuit Paul Ricard, on vous reverra? Je sais pas, c'est pas prévu pour l'instant, on n'a pas de plan précis sur le sujet, mais à voir. Voilà. Et pour 2020, vous avez déjà des petites idées? 2020, Hyundai toujours, hein, j'ai encore une année de contrat, donc pour 6 courses en championnat du monde des rallyes, et puis pour le reste, un peu comme toujours, au jour le jour, on décide ce qu'on a envie de faire. Sébastien Loeb, en deux mots, le circuit Paul Ricard, pour vous, c'est quoi? Pour moi, c'est un très beau circuit pour commencer. C'est d'excellents souvenirs parce que j'ai eu la chance de rouler, de découvrir la Pescarolo ici, celle avec laquelle j'ai fait le Mans. J'ai roulé pour la première fois de ma vie en F1, c'était ici. J'ai fait des courses GT. Ma première course circuit, c'était ici avec une MG. Ça remonte, donc plein de bons souvenirs et puis toujours souvent le soleil, donc c'est toujours agréable d'être là.